Bonsoir, gens, c'est Willy et on se retrouve pour l'épisode 3 de notre Let's Play sur Pokémon Let's Go en compagnie de notre Pikachu et de notre Bulbizarre, magnifique Bulbizarre. Dans l'épisode précédent, nous avions traversé Jadiel puis la forêt de Jade pour arriver à Argenta, la première ville avec champion du jeu techniquement. De la forêt de Jade, on a capturé ce Bulbizarre que je suis très heureux d'avoir, avec une réaction assez épique de ma part d'ailleurs. Je vous laisse l'occasion d'aller voir ça. Je vais juste animer Pokémon avant. Et je pense que dans cet épisode, nous allons affronter donc Pierre, le champion. Hop, je lui confie mes Pokémon. Je les ai un petit peu entraînés. Enfin, j'ai un petit peu entraîné surtout Bulbizarre et Pikachu, qui sont mes deux vrais Pokémon de mon équipe. Les autres, c'est un peu des gratteurs d'XP en fait pour évoluer et pour compléter le Pokédex. En soi, c'est un peu ça, parce que je vais pas m'en servir. Et donc, nous allons partir en direction du marché, pour l'instant. On va récupérer peut-être des Pokéballs, parce que j'en ai gaspillé pas mal. J'étais à 50 quand je vous ai vu, là j'en suis à une vingtaine environ. Pensant, ça fait le taf encore. Hein. Des potions, j'en ai 6. Ouais, j'ai pas vraiment besoin d'autre chose en fait. Pour l'instant, on va garder notre argent, on va économiser. Voilà, on va voir le montagnard avec son racaillou. Ah, le bon air frais d'Argenta. Y'a que ça de vrai. La ville est au pied de la montagne, c'est pour ça qu'il y fait toujours bon. Caillou! Qu'est-ce qu'il y a? Bulbizarre a trouvé quelque chose dans le buisson. Une baie frambie. Ok. Bah merci Bulbizarre. Bon, on va aller affronter Pierre. Je pense que nos Pokémon devraient être plutôt prêts. Je vais mettre Pikachu en deuxième membre de mon équipe. Histoire de faire combattre un peu Bulbizarre. Ça c'est le musée, donc pas besoin d'aller au musée. Nous on va aller... Ah, il y a un Ramos. Ah là là, mais qu'est-ce que je vais te faire de toi, Ralamas? Oh, tu tombes bien. Est-ce que je pourrais te demander un service par hasard? Oui. J'essaie d'aller au musée des sciences, mais ma petite Ralamas refuse de bouger d'un pouce. Mollo. Tu voudrais bien la garder le temps que je visite le musée? Je ne serai pas longue, promis. Oui. Merci, c'est vraiment gentil. Eh bien, dans ce cas, je te confie Ralamas. Cinématique avec Ramolos qui me fait délirer avec son air con. Ralamas a l'air complètement à la masse. Vous avez passé un moment super relax avec Ralamas. D'accord. Merci d'avoir gardé Ralamas. Tiens, voici un petit quelque chose pour te remercier. Une grande perle. Ça, je pourrais en tirer pas mal d'argent avec. Je ferai peut-être de nouveau appel à tes services si ça t'intéresse. N'empêche, c'est cool. Ce qui est cool avec Pokémon Let's Go, c'est que les Pokémon nous suivent, qui sont beaucoup plus présents dans la rue, dans la ville, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Dehors, quoi, en dehors de la Pokéball. Et donc, on peut faire un petit comparatif, on peut voir leur taille. Genre Pikachu qui est tout minuscule, Rambolos, je l'imaginais pas aussi gros, vous voyez. Et c'est cool parce que les prochains Pokémon devraient être comme ça. Et ça, c'est vraiment une feature qui est vraiment cool. Dans Pokémon épée et bouclier, ça devrait être le cas aussi. Malheureusement, nos Pokémon à nous ne nous suivront pas. Et ça, ça m'attriste un peu quand même. Parce que c'est une super feature et ils la mettent quasiment jamais. Donc j'espère que après Pokémon épée et bouclier, genre s'ils font une version améliorée, genre Pokémon hyper épée et hyper bouclier ou je sais pas quoi. Ou dans le remake de Sinnoh, qu'on puisse avoir nos Pokémon qui nous suivent. Ça serait franchement... un plus non négligeable, une très bonne qualité du jeu. Bref, j'en parle trop. On va se faire l'arène. Arène Pokémon d'Argenta, champion Pierre, le dresseur dur comme la roche. Oui. Oh, la musique est stylée. Salut, tu es venu défier le champion, c'est ça?
Je ne suis pas dresseur, mais je peux voir d'un seul coup d'œil si quelqu'un est digne de se mesurer à Pierre. Écoute-moi bien, car je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ici, à l'arène d'Argenta, on n'a pas pitié pour les dresseurs qui ne connaissent pas les affinités de type. Crois-moi, c'est pour leur bien. Plusieurs types ont l'avantage face au type roche. Je sais, j'ai mon Pikachu qui a double pied, donc il peut lui faire assez mal, même s'il est faible. Et j'ai mon Bulbizarre qui peut défoncer tous ces Pokémon facilement. Plusieurs Pokémon ont l'avantage face au type roche, mais on demande aux débutants de commencer par utiliser des Pokémon de type plante ou eau. Donc si tu veux affronter le champion, tu dois d'abord me montrer un Pokémon type plante ou eau. Bah tiens. Parfait, avec un Pokémon comme celui-ci, tu as toutes tes chances de vaincre Pierre. Vas-y champion en herbe. Oui, mon but est de me surpasser pour affronter ce champion, non? Pas de le battre facilement. Ok, Régis l'a déjà battu. On va faire les dresseurs pour entraîner Bulbizarre. Bienvenue à l'arène d'Argenta. Je te préviens, on n'a rien à voir avec les dresseurs que tu as affrontés jusqu'ici. Je l'espère bien, parce qu'ils étaient très mauvais. Amara, la fan de pique-nique, veut se battre. Elle envoie un racaillou. Allez, on envoie Bulbizarre. Et on va faire un petit fouet-liane pour tâter le terrain. C'est... ça a one-shot concrètement. En une seconde, j'ai défoncé le Pokémon. Rien à voir avec les dresseurs que j'ai affronté jusqu'ici. J'aime bien leurs petites têtes qu'ils font quand ils sont ultra deg quand tu les as battus. Une minute, tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. Bien soit. Elvin, le fan de camping, veut se battre. Un racaillou encore. Allez, Fouillian encore. C'est tellement pété en fait, vous voyez comme la barre de vie elle descend ultra vite. Zud, j'aurais dû te laisser passer. Voilà. Bon, mon Pokémon n'a pas pris de dégâts donc j'ai pas besoin d'aller au son Pokémon. Bulbizarre est super motivé. Bien Bulbizarre. Je vais peut-être mettre Pikachu en premier. Quoique. Non, on va laisser Bulbizarre se faire toute la team. Je vais juste sauvegarder avant. Hop. C'est bon. Hey Pierre. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche. Tu veux m'affronter, même en sachant que tu vas perdre? Très bien. En garde! Pierre, le champion, veut se battre. C'est stylé quand même, hein. Fouillian. Ah, il résiste beaucoup plus que les autres Pokémon. Mais bon. On refait un Fouillian. Et il est KO. J'imagine que son prochain Pokémon c'est un Onix. Oui. On va regarder le Pokémon. Je vais peut-être mettre une Vampigraine. Il fait jet de pierre. Ça fait assez mal. Ma Vampigraine devrait m'aider à tanker plus ses attaques parce que je vais bouffer pas mal de vie. C'est assez efficace, ça va. Du coup, je vais faire un Fouillian. Il est plus rapide que moi quand même. Hein. Il faut se méfier. Ah, j'ai la trouille. Faut que je le touche avec mon Fouillian. Comme ça, je le ferai. Je vais lui faire très très mal.
Allez. Je pense que je peux en tanker un autre. Oui, c'est bon. On a gagné. Bravo, Bulbiza. Il passe au niveau 10. Et presque niveau 11. Mon Crisacier, level up. Mon Mistable, level up. Et j'ai battu le champion Pierre. Bon combat. J'étais trop sûr de moi. C'est pour ça que j'ai perdu. Ah, et Crisacier évolue. Félicitations, Crisacier évolue en Papillusion. Papillusion, le Pokémon papillon. Ses ailes sont enduites d'une poudre toxique, imperméable, qui lui permettent de voler sous la pluie. Il apprend Tornade, ok. Bon, je ne vais pas l'utiliser, mais c'est cool. On complète le Pokédex bien... Enfin, on a beaucoup cette impression de compléter le Pokédex comparé aux anciennes versions. Genre, ça a l'air beaucoup plus simple, en fait, et ça donne un petit effet satisfaisant. En reconnaissance de ta victoire, voici... le badge roche. Yeah! Check ça, Pikachu. Vous obtenez le badge roche. Grâce au badge roche, tu pourras te faire obéir de tes Pokémon échangés jusqu'au niveau 20. Ah, et tiens, prends ça aussi. La CT1, coup de boule. Les CT sont des capsules techniques. Tu peux les utiliser pour renseigner rapidement et à coup sûr une capacité à un Pokémon. En plus, c'est inusable, donc tu peux les utiliser sur autant de Pokémon que tu le veux. Celle-ci contient coup de boule. Elle permet aux Pokémon d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts à leur adversaire. Je vais peut-être la prendre à Bulbiza, cette attaque. Hop. Parce que Bulbiza a que charge et coup de boule, c'est plus puissant que charge. Ou à la place de rugissement, mais... on va mettre à la place de charge. Voilà. Oh, elle est marrante la petite emote de sauvegarde. Avec le Pikachu qui joue avec le Joy-Con. Je le savais, tu as l'âme d'un champion. Cinématique. Eh, hey, toi là! Ah, oh, y a le vrai Régis! Y a Blue! Tu serais pas Willy par hasard? Oui, c'est bien moi. Oh, je le savais. Je suis vraiment trop bon. Bref, moi c'est Blue. Pépé m'a raconté que deux gamins du Pourpalette étaient partis à l'aventure. Donc je suis venu voir comment tu t'en sortais. Je pensais te donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur d'exception. Faut le dire. Mais en fait, c'est bon. T'as l'air de te débrouiller. Du coup, tiens, c'est bien mérité. Merci. Vous mettez les Super Balls dans la poche de capture. C'est plus facile d'attraper des Pokémon avec. Pas comme la plèbe, là, qui galère avec des Pokéballs miteuses. Tiens, t'as un Pokédex. Pépé a fini par le mettre au point alors. C'est cool. Laisse tomber. À mon époque, on devait scoltiner une vieille carte et tout noter à la main. Je te raconte pas l'angoisse. Ah. T'as intérêt à assurer pour les aider Pépé. Allez, ciao. Ah, il a un petit flow quand même, hein. Bon, moi je vais aller soigner mon Bulbizarre parce qu'il a pris quand même des sacrés coups dans la gueule. Votre nouveau badge rend Bulbizarre très heureux. Ah oui, d'ailleurs, on peut le voir, non? Je ne peux pas voir mon badge. Ah, c'est con. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut, la madame? Quand mon petit Gédéon m'accompagne, il trouve parfois des objets. Oui, je fais pareil avec mon Bulbizarre. Regardez comment il est mignon quand il court. Et quand il marche. Oh là là, Bulbizarre best starter. De la jeune 1.
Allez, on va soigner notre Pokémon. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous nous nous occupions de votre équipe? Oui. Très bien, confiez-moi votre équipe un instant. Et voilà. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. À bientôt. Voilà. Bon, donc, sortons la carte. C'est dommage qu'on n'a pas le raccourci avec la touche Y. On est à Argenta. Ça, c'est avec Pokémon. Donc, on va prendre la route 3. Pour aller au Mont Sélénite, pour aller à Azuria, logiquement. On va faire ça dans cet épisode, en tout cas au moins une partie. Ça devrait aller niveau Pokéball. C'est par là. Avis, on nous signale que des voleurs de fossiles de Pokémon en Mont Sélénite. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter la police d'Argenta. Oh, c'est le badge Roche. C'est Pierre qui te l'a donné, non? Tu savais que plus tu as de badges, plus il y a de choix dans les boutiques Pokémon. Au fait, les boutiques Pokémon, c'est toujours les bâtiments bleus en ville. Mais tu dois le savoir à force, il y en a partout. Et oui. Allez, on prend la route 3. Direction de nouvelles aventures. Tiens, mais qui voilà? C'est un dresseur en herbe? Moi, je suis l'un des coachs. Nous sommes un groupe de dresseurs répartis sur l'ensemble de la région et nous aidons les jeunes dresseurs comme toi à progresser. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous sommes coachs. Mais nous autres coachs sommes drôlement forts. N'hésite pas à faire appel à nous si tu veux tester ta force. Bah pourquoi pas. Alors dresseur en herbe, tu as envie de tester ta force? Je le lis dans les yeux. Ça te dirait que je te coach? On n'a qu'à faire un petit combat. Vas-y. Allez, on y va. En espérant qu'il y a des Pokémon que je puisse défoncer. Raphaël le coach veut se battre. Il a un build bizarre. Du coup les attaques Fouillian ça serait pas très efficace contre lui. Donc on va tenter un coup de boule. Il me fait charge. Moi mon coup de boule devrait faire plus mal. Oui. On va en refaire un. Voilà. Il me fait charge. Moi mon coup de boule devrait faire plus mal. Oui. On va en refaire un. Voilà. Il me fait charge. Moi mon coup de boule devrait faire plus mal. Oui. On va en refaire un. Bon, on coule level up. Et on a battu Raphaël le coach. Eh bien, tu te défends bien. Je n'ai qu'un mot à dire. Bravo. Ce n'est pas rien d'arriver à vaincre un coach comme moi. Tu as fait preuve d'une grande force. Aujourd'hui, ça m'a aidé bien une petite récompense. Un rappel. Merci. Les potions sont très pratiques, mais elles ne peuvent rien contre les Pokémon KO. Heureusement, tu peux toujours compter sur les rappels pour les réanimer. Ça peut vraiment te sauver la mise en cas de problème. Je vais un peu soigner mon Bulbizar parce que... là, il n'a plus beaucoup de vie. Allez, hop, on en met deux. On est reparti. Le petit, c'est un dresseur ou pas? Ah oui. Hey, t'as vu mon short? Il est cool, hein? Tu veux le même? Pas tellement, non. Calvin, le gamin, veut se battre. Ah, un piaf à bec. Ça aurait été plus efficace si j'aurais pris mon Pikachu, mais bon. Y a pas trop de quoi s'en faire.
un coup de boule et ça calme déjà. On va faire peut-être un petit Fouillian aussi. Ah, c'est pas suffisant, merde. C'est bon, il est KO. On gagne un petit peu d'XP, Pikachu level up au niveau 13. Perdu et reperdu. Non, pour l'instant on va garder Bulbizarre. Lui c'est un scout. Ouais. Fais gaffe à mon nouveau Pokémon. Sven, le fan de camping, peut se battre. Il a un racaillou. Un Nidoran mâle. Bah coup de boule. Ça sera plus efficace, hein. Il m'empoisonne, mais ça ne fait rien parce que je suis de type poison aussi. On fait un coup de boule. Et un dernier coup de boule. Voilà. Bon ben, il m'en faut un nouveau maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon ici? Des Rattata. Ouais, c'est pas top, hein. On reste à ce fan de camping encore. Hé, tu vas pousser là? Non. Suzette, la fan de pique-nique, veut se battre. Elle a un Nidoran femelle. Bon bah, comme avec Nidoran mâle, hein, on va spammer le coup de boule. Voilà. Un Fouillian. Histoire de le finir avec mon coup de boule après. Il me fait mimiqueux, mais mimiqueux ça ne fait rien. Parce qu'il aura pas le temps de m'attaquer. Non! Voilà, la boulette. Du coup là je vais prendre des dégâts inutiles. Mais bon, c'est que 2 PV, c'est pas trop grave. Je mets un petit coup de boule et on a gagné. Confort monte au niveau 10. Est-ce qu'il va level up? Il va évoluer du coup. Oui! On a un Dardarmian. Félicitations! Confort a évolué en Dardarmian. Les données du Dardarmian ont été ajoutées au Pokédex. Dardarmian, le Pokémon guet poison. Il se sert de ses trois aiguillons empoisonnés situés sur ses pattes avant et l'abdomen pour attaquer sans relâche ses adversaires. Il apprend double dard. C'est pas trop mal. Un flacon de parfum. Encore un gamin. Je veux t'affronter. Allô. Voilà. Ya. J'adore les shorts. Viens te battre. Donc on a une secte des shorts dans cette route. Il m'envoie son Rattata. Moi mon but bizarre. Dehors ça devrait aller contre le combat contre le prochain champion. A priori, on a de quoi la vaincre facilement.
Alors, un coup de boule. Un autre coup de boule. Et voilà le travail. C'est dommage, les dresseurs ils sont trop bas niveau comparé à nous. Du coup, ben, on les défonce. Les dresseurs, à l'attaque! Grégory le scout veut se battre. On va avoir un cocon fort. Bah coup de boule. Ah, je sais que c'est pas très passionnant pour vous les amis, mais... Pour l'instant, j'ai que ça comme attaque pour Bulbizarre. Faudra attendre qu'il évolue. On va prendre Trancherbe, Lance-Soleil ou autre. Avec un autre Pokémon, j'aurais gagné. Sûrement, sûrement, on te croit. On te croit, Grégory. Ah. Bulbizarre trouve quelque chose dans les buissons. Une baie frambie. Merci. Route 3, tout droit, le mont Sélénite. Oh, un sabelette. Oh, en vrai, sabelette, j'aime bien. Allez, on va s'en choper un. De toute façon, il avait la motive à nous foncer dessus, donc... Ah. La Pokéball un peu... le Joy-Con un peu hasardeux, hein. Ok, on a un sabelette. Je sais pas si on va le garder parce que j'ai un autre Pokémon type sol qui m'intéresse. Même si j'aime beaucoup sabelette, hein, c'est un Pokémon que j'apprécie. Sabelette, le Pokémon souris. Son corps est sec. Quand la nuit déploie ses ailes de fraîcheur, son épiderme se couvre de rosée. Bah, on peut peut-être le mettre dans notre équipe pour le faire évoluer. Faut que j'enlève Papillusion du coup. Et on va mettre notre petit sabelette. D'ailleurs oui, j'ai capturé un autre Bulbizarre comme vous pouvez voir. Durant une petite ellipse où je me suis entraîné. Voilà. Mais bon, j'avais déjà un Bulbizarre. Pris parce que je kiffe les Bulbizarres, mais sinon on va pas s'en servir. Du moins pas que je sache. Pas dans l'immédiat. Hop. Un rappel. C'est mignon le sabelette quand même, j'aime bien. Bonjour. Piou. Je vais faire une pause. Venir d'Azuria par la grotte m'a épuisé. Encore un coach. Salut. Tu sais qui je suis, j'imagine. Eh oui, un coach, à ton service. Dis. Tu veux pas t'échauffer un peu avant de franchir le mont Sélénite? Vas-y. Allez, tiens-toi prêt. D'ailleurs, mont Sélénite, il y aura peut-être un Pokémon qui va me plaire. Mouhamad le... Pardon. Des fois, les noms qu'ils prennent, ça... Je trouve des choix un peu hasardeux. Oula. Je vais peut-être prendre mon Pikachu. Parce que Bulbizarre est un peu dans la merde. Allez, Pikachu! C'est assez puissant son attaque, hein. On va faire double pied. Ça devrait être très efficace. Voilà. Miaou, c'est KO. On a battu le coach.
C'était un bon combat. Tiens, un petit cadeau pour te récompenser. Jackpot, ok. Comme son anique, elle permet de gagner des sous. Il y a un son de Pokémon. Je vais sûrement m'arrêter là pour cet épisode. Aïe, je pensais que j'allais trébucher sur une pierre, mais c'était un racaillou. Oh, les buts bizarres peuvent se faire sur le montagnard. Je suis venu de très loin, ce commence Sélénite, pour trouver des Pokémon à chevaucher. Apparemment, il y a des Pokémon comme Onyx qui nous laissent monter sur leur dos tranquille. Une corde sortie, ça me sera utile si je suis trop dans la galère dans le mont Sélénite. Mais ça sera pour un autre épisode. Là, je vais soigner mes Pokémon. Voilà, occupe-toi de mon équipe, s'il te plaît. À une prochaine fois peut-être. Ah, ok. Bon, eh bien pour cet épisode, cet épisode là, oui, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon Let's Go. Et d'ici là, à la prochaine.